trouvé là où on a parlé là. Je dis à la, le Premier ministre Ariel Henry est très décrié. Il a demandé monsieur pour remettre clé privature pour que le remettre pouvoir, bah un pouvoir bicéphale et que lui-même a cimenté sur toute petite que gagné, sur toute madame ni, sur toute famille, quel tabay pouvoir ça pour un pouvoir bicéphale, il a préféré démissionner. Quand on situe à là, nous connaissons ce signataire, accord 11 septembre. Bon. Et moi-même, je fais le même constat que le gouvernement n'y est pas porté fruit. Et nous-mêmes, c'est deux bagages essentiels. Nous t'apprenons dans le gouvernement. Le premier, c'était mettre sécurité pour tout le monde qui a vaincu le mouvement aller aux occupations. Parce que nous avons considéré qu'il y a des avions qui sont aux États-Unis avec 4 monde, 5 monde la donne. Ce bagage catastrophique. Deuxièmement, nous attendons le gouvernement de la fin fait ça, c'est faire élection, et puis bah, pouvoir pas y un monde que le peuple a choisi légitimement. Mais c'est comme si nous moi ma que monsieur Guedma Vinazio, je suis dans l'état aussi. Allô, M. George? Là-bas, et sécurité, même, il y a un niveau tellement haut, tout le monde est vêtu dans le pays. Donc, nous-mêmes, nous faisons conscience à tout. Et moi, vous qui parlez avec vous, concernant la sécurité dans le pays, parce que c'est le premier travail, le gouvernement, c'est la sécurité. Il faut comprendre que si on entre dans et gourmet avec Chimeo, Doisime à Fandeyo. Bon, je ne vais pas faire de la Chimeo, mais. Comme si Chimeo vient de Doisime qui a protégé et que si tu dois, il n'y a pas une personne qui a protégé. Ben, nous me disons, ben, ça sont fast plaisanteries. Donc, ça, ça y a pas compris, nous-mêmes. On doit punir tout pour une action. Oui? Parce que rien doit dire. Il y a peut-être pour, et puis dans peut-être là, et on doit dire que vous êtes complice, si vous avez un travail, c'est la fois protéger. Et vous êtes constat. Et audition quelques témoins, il y a dit que nous ne pouvons pas faire vrai. Donc, souvent, poisson, pas entrer dans NAS. C'est ça. Ou pas poisson, ou pas entrer dans NAS, ou être dehors NAS. Donc moi-même, moi d'accord avec tout le monde qui dit ça, yo. Et parce que Ariel, moi je l'ai pris, mais réellement, bon, bah qui puis être là, ou après elle, il va pas répondre. Sorti là, ça veut dire que depuis qu'il a parlé avec le Premier ministre. Bon, peut-être décembre. L'aide de fonds de réception, quoi. Et après le lit, il va répondre, non, on travaille, nous dit les choses, nous va faire, il n'en est rien. Monsieur Kassa, c'est le droit chef. Bon, je ne comprends rien. Réellement, je m'y perds. Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez que peut passer là? Bon, je t'ai parlé avec le DCA. Et il a dit, bon, monsieur Paris, si vous venez, d'abord, j'ai un rendez-vous. Bon, ben, il va en fait. Bon, je vais quand même l'appuyer dans le monsieur. Et que l'adversaire, pas la veuve, c'est bon, ben, m'a dit. Bon, moi-même, moi, monsieur, sous petit pouvoir. Par contre, il connaît ça. Et là, tout le monde connaît l'homme, une fois analyse de parole. Tout le monde connaît, c'est pour faire la parler. Donc, moi-même, à cette phase de débat, moi-même, je n'ai pas de responsabilité pour personne, pour ce qu'on fait ou pour ce qu'on pas fait. Moi, je n'ai pas de responsabilité pour ça qu'on fait, pour ça me partager, pour ça me discuter, et je n'ai pas de responsabilité. Même beaucoup de gens connaissent, je n'ai pas de responsabilité. Donc, et parti politique, moi, à la fin de l'année, à bonne pression, je n'ai pas d'accord. Et priorité dans Akora, et il y a un pitbull, je vais vous donner un bagage.
Donc, puis, moi qui suis à cause ça, contactez puis pour nous retirer quoi nous. C'est ça. Donc, à l'époque du moment de la durée là, je suis constaté que Allah est tiré quoi. Non, je ne peux dire ça. Pas par mes paroles dans la bouche. Là, pour me faire là, c'est pas avec consentement dirigeant. C'est avec consentement de dirigeant, directeur Batia. Donc, même si je dis pas satisfait, je ne suis pas d'accord, je vais pas dire. Mais George, et bon, du nom, et je dis à la nous, dossier Jovenel Moïse, assassinat ancien président Jovenel Moïse, et qui lui-même a traîné, et grand juge, je t'ai annoncé qu'il t'a pris tête dossier, mais malheureusement, il n'y a pas le moyen. Il y a un ancien juge là lui-même, qui, monsieur a lui-même, ancien juge, qui était sous dossier, monsieur t'a fait des révélations. Nous comptons des révélations que M. Ferro, sous Jean Laguerre Civil, sous Dimitri Rao, et puis sous M. Solage, comme quoi tu as un plan pour t'assassiner. Et là encore, est-ce que nous avons dit que nous sommes bonne route là, ou bien qui ça peut passer là d'abord même? Bon, concernant le juge Aurélien, moi quand je vois le juge Aurélien très bien, ça n'est pas voir le juge. Ça dit là? Non. Ça fait équipe nègre. Qui te planifie la mort Jovenel, qui toujours blague des bagages, tant que j'étais la grande liste. Pour y faire diversions, yo tout c'était drogue dealer, yo tout c'était même mettre nom là-dedans, autant pour y faire diversions, parce que mon maître est au toit, et yo t'es venu avec l'autre bagage, quoi, ça c'est eux-mêmes. Yo t'es venu d'où pour ça que Kouya là, premier ministre a défendu déclaration, yo t'es venu insulté. Bon, tout le monde c'est pas lui-même. Bon, maman va avouer qu'il me parle à juge la matin. Vous parlez avec un juge Aurélien? Oui, je parle avec juge Aurélien. Ok. So, et pas juge Aurélien du tout. N'est-ce qu'il y a un travail pour lui, qui fait de l'informatique, qui a copié voir le monde pour dire des bagailles. Donc, son plan qui est là, pour bouiller dossier, pour quitter les gens qui sont en prison, qui n'ont pas innocence dans le dossier, qui n'ont pas implication présumée dans le dossier, tout le monde. Et puis les grands criminels, même pour continuer à flammer, si vous comprenez. Là, bon, question pour tout pour poser cette question. Bon, d'ailleurs, si les gens qui étaient autorisés. Allô, M. George. Autorisé Colombien, ça y est, en train de venir. Allô, M. George. Oui, là. Oui, allô, M. George. Oui, nous te donnons là, oui. Là. Parlez là. Allô. Oui, on me parle, M. George. Moi, première question pour me poser dans l'assassinat, président. Qui est-ce qui t'a autorisé Colombien à entrer en Davéia? Ok, c'est la première question. Qui est-ce qui t'a premier ministre? Qui est-ce qui est le ministre de l'Intérieur? Qui est-ce qui est le ministre de la Justice? Et qui est-ce qui est le directeur général? C'est la première question. Maintenant, nous avons gardé de gros lendemain, Mme Nambay et Ticlone. Bon, et le ministre a fait comme si nous marions. OK? Nous marions. Eh bien, nous ne marions rien. Nous ne marions rien parce que nous disons, moi, nous marions. Information. Mais George. Saint-Claude Joseph tiré les à Jean-Laguerre Civil, l'idil pour lui aller dans l'inspection générale pour y attendre. Puis il a demandé pour qui ça, il dit bon, il a aimé qui information. L'aller, il y a conscient. C'est lui-même encore qui dit pour aller dans le CBJ. Oh. À quel fin? Mais il va y avoir parlé avec lui directement. Qui doit ancien premier ministre parler avec téléphone. Il a parlé dans le téléphone. Il a parlé dans le téléphone. Ou mettre fait checker digital et puis après ça. Oh. Donc ça est ton plan. Est ton complot. Exactement. Il y a une affaire. Et tu me dis que. Et le président de la République, il va aller descendre dans le palais, Ariel dit fermer le palais. Et bien Ariel, non. Et Civil dit fermer le palais. Et retour Civil fréquent, où il va débarrer comme ça. Ah, qui donc, Jean-Laguerre Civil, t'es fermé barrière sous
Monsieur Léon Charles, oui, monsieur le Premier ministre. Exactement. Pour le pouvoir. Léon Charles. Léon Charles ne va jamais mettre pied. Je l'ai désiré, il est sous l'aide lui-même. Il a désiré d'aller, toutes les âmes déplacées à madame, il est devant. Il va aller dans l'hôpital. Ok. En sa présence. Bah, soit dit tellement vrai, gagner le policier de l'USGPN, Jacques Cessert. Ok, Léon policier dit, monsieur, à fond de l'ordre dans la police, bah, ça, monsieur dit, moi-même, je pour recevoir l'ordre de la Jean Laguerre civile. Et c'est les gens de la guerre civile, relais Jacques Cessert. Et puis Jacques Cessert lui-même prend disposition qu'il faut. Ok, il dit, le président va mourir pour n'attendre l'ordre. Jacques Cessert, mon cher, coup de chapeau pour Jacques Cessert. Jacques Cessert lui-même. Je dis pour la responsabilité, je dis, on président pas qu'à mourir pour n'obtenir l'ordre. Et c'est ça que je comprends. Léon Charles te fait arrêter, monsieur Sayo, mais Dieu soit loué pour eux, je ne pas libérer les donc, next ça libéré, mais j'ai la guerre civile, Dimitri Erard, tout l'autre négo, dans prison. Donc, qui sont faits, qui dernier démarche ont fait pour capable de joindre des causes dans le dossier ça, M. Georges? Bon, le dossier a été distribué par un magistrat qui est les. Oui, comme c'est là encore. Mette Bélab. Simon. Mette Bélab, il y a un dossier. Bélab, excusez, merci beaucoup. Mette Bélab, il y a un dossier. Mais, à mon grand étonnement, le dossier a toujours été doyen, pas. Bon, pas le bail du seul. Ou fin de vie, il y a un dossier. Si moi je mets de mon côté, il y a un côté là, je mets pour qu'il y ait besoin, pour qu'on se travaille. Mais je ne sais pas, même dans la prison, injustement, sous complot, monsieur. Monsieur Damio. Alors, M. George, comme vous êtes avocat, il va toujours dire, mais est-ce que il va pas arriver à la justice? Il a décidé sous son et ensemble des mondes qui ont été dans le dossier ça. Bon, par probité et par respect des hommes et de l'avocature, je ne vais pas parler de l'autre monde, mais l'autre monde, il y a des avocats qui vous soignent. Moi-même, je ne vais parler seulement de clients que moi cuisiner, que je mène en enquête, et puis je connais que je ne sais pas pour rien, ni pour rien dans la ça. Donc, c'est, il faut que je vienne pour le diable, pour le diable à manger, je vienne pour l'argent diable là. L'avenir, il y a un bail, mon bout de manger, mais favorisé sur eux. En tout cas. Ouais, merci au pays, M. George. Merci, M. George. Merci, M. George. À bientôt. Ok. Voilà.